autiste est né et indifférent des autres enfants de son école. Bien qu'il ne parle pas très souvent, ses deux yeux brillent comme des étoiles. Il est distant avec les gens, il préfère déchiffrer les choses. On dirait qu'il compare ce monde aux épines d'une rose. Son cerveau est mystérieux, comme le vent, comme le ciel, à la fois abstrait et beau, comme un tableau de Riopelle. Et malgré tous ces silences, on le découvre à chaque réveil, comme on découvre un chef-d'œuvre teinté de poussière, de soleil. L'autiste répète les mêmes phrases, les mêmes gestes d'incohérence, un peu comme nous le faisons tous, perdus face à notre existence. Certains le jugent, d'autres le blessent par leur regard, leur impatience. Mais loin derrière toute sa tristesse, il cache un cœur immense. Son cerveau est mystérieux, comme le vent, comme le ciel, à la fois abstrait et beau, comme un tableau de Riopelle. Et malgré tous ces silences, on le découvre à chaque réveil, comme on découvre un chef-d'œuvre teinté de poussière, de soleil. L'autiste est né bien différent des autres enfants de son école. Bien qu'il ne parle pas très souvent, ses deux yeux brillent comme des étoiles. Il est distant avec les gens, il préfère déchiffrer les choses. On dirait qu'il compare ce monde aux épines d'une rose. Son cerveau est mystérieux, comme le vent, comme le ciel, à la fois abstrait et beau, comme un tableau de Riopelle. Et malgré tous ces silences, on le découvre à chaque réveil, comme on découvre un chef-d'œuvre teinté de poussière, de soleil. Bon matin à tous et à toutes, ici Kylian et Caleb de la Télébattue, j'espère que ça va bien! Vous venez d'entendre l'autisme de Nicolas Ciccone. S'il vous plaît, veuillez vous lever pour l'hymne national et la prière. Thank you.
prenons maintenant quelques minutes pour nous recueillir. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril et c'est le jour 5 à notre horaire. Les gardes pour aujourd'hui sont Mme Francesca, Mme Isabelle, Mme Marie-Andrée et Mme Guylaine. Aujourd'hui, c'est la journée de l'autisme. Aujourd'hui, c'est la fête d'Alexandra Carrier. Ça va commencer. C'était votre télépathiste Caleb et Kylian qui remercie Alexandre et Michael, nos gentils techniciens. Nous vous souhaitons de passer une bonne journée et surtout, amusez-vous!